Donc, la leçon inaugurale sera donnée, après nos interventions brèves, par M. Antoine Compagnon, qui a la caractéristique très particulière d'être un ingénieur de l'École polytechnique et d'être en même temps un très grand littéraire. Alors, chacun sait ici que dans les concours scientifiques, voilà, sa dernière production, c'est à propos de Baudelaire. Il a écrit la même chose sur Montaigne. Alors nous avons un peu changé de style, au lieu de parler d'un pays, d'un continent comme l'Afrique ou la Chine ou des sujets comme l'eau, la nutrition dans le monde, on parle d'un sujet qui prend plus de hauteur et qui est en chacun de nous au fond, c'est l'imaginaire qui est le nôtre pour parler des autres pays ou des autres espaces dans lequel souvent nous souhaiterions habiter. Alors ça peut être l'imaginaire de notre quartier transformé, l'imaginaire de notre ville, l'imaginaire d'une autre Europe, et c'est l'imaginaire malheureusement aussi de souffrance de ceux qui, habitant aujourd'hui, je prends un exemple en Libye, souhaitent s'échapper de l'enfer de ce pays pour venir en Europe où leur imaginaire dit que c'est le pays des droits de l'homme, de la démocratie et de plus de liberté. Donc toutes ces questions d'actualité comme plus profonde ou plus philosophique seront abordées par ce FIC qui a donc une assez grande originalité par rapport au précédent.